Salut à tous, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les Firebikes, qui font de la backlife. Non, je recopie pas du tout Mohamed Denis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Putain, beaucoup lui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les gars? On va tout simplement faire un petit tuto. Voilà. Donc, pourquoi un tuto? Parce que nous sommes en 2019, voilà, il commence à faire beau, nouvelle résolution. Vous aurez deux vidéos, voilà, deux comme ça, deux vidéos par semaine. Donc une le dimanche et une le mercredi. Donc tout simplement le dimanche ça sera des tutos et le mercredi ça sera des vidéos backlife en tout genre, voilà. Donc tuto de 5 à 10 minutes, voilà, pas très long, histoire de vous faire apprendre quelques figures, etc. Et ici nous avons le C100 de couleur noire, voilà. Désolé, je suis un peu malade. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ok. Donc voilà, j'espère que vous kifferez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et surtout, on va bientôt arriver aux 5K. Donc n'hésitez pas à partager. Même si je le répète souvent, les gars, ça ferait plaisir. Et voilà. Sur ce, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est lever à une main. Donc, il y en a, ils savent déjà faire. Voilà, n'hésitez pas à regarder. J'ai quelques petits conseils parce que je suis parti en vacances comme vous le savez, je suis rentré et je me suis rendu compte qu'à une main je gère mieux qu'avec l'autre vélo. Je sais pas ce qu'il a celui-là. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à mettre la selle en avant. Voilà. Et voilà, vas-y, fais-nous un petit truc là. Waouh, bavette de main, franchement je dis waouh. Là, il y a carrément rien à dire, mon gars. T'es chaud. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et c'est parti. Bon, les gars. Alors, tout simplement, je vais me poser ici. Pour lever à une main. Alors, déjà, il faut que vous... Attendez, je pose mon vélo. J'espère que ça va tenir. Ok, ça ne tiendra pas, du coup, je vais le mettre par terre. Bon, bref, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, il faut que vous ayez déjà un bon frein, les gars. C'est clairement la base. Après, moi, pour lever à une main, je me place sur l'avant de ma selle. Et je lâche la main. Après, j'essaye de gérer vraiment, genre, que avec les pédales. Essayez de freiner le moins possible parce que le problème, c'est que vous avez moins de force à une main. Donc, si vous freinez fort, bah, vous allez automatiquement redescendre. Voilà, donc je vais vous montrer un peu quelques plans quand je lève à une main et voilà. Donc je vais essayer de tenter le plus long lâcher de main. Donc c'est parti. Perfect. Perfect. Et on va, c'est parti, gars, je vais lever avec vous. Ok, attendez. Attendez. Ok, 1, 2, et 4. Ok. Je vais essayer de faire mieux. Oh, ok. Ouais, donc là, vous pouvez voir, je suis en roue. À une main. Ouais, j'ai plus de vitesse. Voilà, levez. Simplement, vous lâchez la main. Et là, vous faites tout ce que vous voulez. Bon, bah, les gars, ça va déjà être la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Pour la fin, je vais vous faire un swerve en arrivant de là-bas. Mais quand je vous dis un swerve, c'est pas un petit swerve. Là, je vais vous faire un gros swerve. Tout le monde t'a vu criblé de pas. À force, tout le monde trouve ça normal. À côté Mexico, c'est pour de vrai. Gros cité, mon frère, ils prennent ma vie, ils prennent la tienne. Calibré dans notre coin, j'attends qu'ils viennent comme Ben Laden.